La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la présence de Namitan, pour le privilège que Libano pour nous parler de lui dans moment ça. Sans aucune autre forme de procès, Sœur Margaret va introduire nous dans la prière pour que nous puissions commencer avec l'étude biblique. Nous, à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, là. Comment pour nous pas remercier, comment pour nous pas boire gloire, louange, honneur, exaltation, dont même seul on mérite. Seigneur, nous donnons merci pour l'année qui passe. Merci pour la façon qu'on prend soin de nous-mêmes. Et qu'on y a nous rentrer dans une nouvelle année, cher Seigneur, notre Dieu, côté même grâce, nous sommes toujours là en abondance pour nous-mêmes. À soi, nous voulons remercier, au Seigneur, dans le début année ça, dans le premier mercredi année ça, à côté que nous assemblés ensemble pour nous capables d'étudier parole. Premièrement, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu est capable, cher Seigneur, notre Dieu, demeurer dans le cœur, demeurer sous le nid. Béni pasteur, clomé, cher Seigneur, qui va enseigner nous la parole. Béni, cher Seigneur, chaque monde qui a monté sous le nid, chaque monde, chaque participant, cher Seigneur, notre Dieu, sous le nid ça. Permettre notre Dieu que mon Saint-Esprit soit capable de briter dans nous-mêmes, cher Seigneur. Et toute parole qui va dire, cher Seigneur, souligne ça, permettre, yo capable, cher Seigneur, rencontrer, cher Seigneur, avec standard de vie, nous. Tout ça que nous attendons, tout ça que nous avons espéré de nous-mêmes, cher Seigneur. Et partage-nous, yo, cher Seigneur, notre Dieu, que nous va faire. Nous demandons, notre Dieu, qu'on est capable de partager ce que tu es. Papa, bénis-nous en abondance, cher Seigneur. Nous comptons sur nous-mêmes, cher Seigneur, pour capable de faire des choses extraordinaires pour nous-mêmes. Nouvelle année, hein? Nous présenter devant, mon monde, cher Seigneur, notre Dieu, malgré problèmes, malgré difficultés, malgré maladies, malgré cas de mortalité, cher Seigneur, et bagaille ça va changer autour de nous-mêmes, mais toi, tu restes le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. À toi, cher Seigneur, mando de verser un puits de bénédiction sur chacun de nous-mêmes et rendre-nous libres pour nous continuer à servir. Marie, toute puissance qui ne vient pas de toi, cher Seigneur, et permettre que l'Esprit ou l'Esprit seul capable de briller en ce lieu. C'est comme ça nous prions. Non pas en qualité de bon ni de juste, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre divin sauveur qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, encore une fois, by bon Dieu, action de grâce parce que le bon privilège pour nous discuter ensemble de sa parole. Et je dis, nous avons une étude biblique exceptionnelle, c'est-à-dire qui ne peut pas dérouler uniquement autour de la parole. Nous pouvons essayer d'analyser ce qui a passé dans le pays, nous, pour nous comprendre qui est pour nous positionner, nous. Peut-être comme croyant, et c'est le genre d'étude biblique m'a pas dit nous d'avance, dont le but c'est pas pour me gagner l'unanimité, c'est-à-dire c'est une étude biblique côté que en pile nous nous cas sorti avec des points de vue contraires, et c'est important pour me dire ça au début parce que ou gain droit gon l'autre point de vue, et c'est normal parce que c'est pas comme si m'a pas parlé de la Trinité ou bien de la sanctification. M'a parlé d'un sujet un peu complexe que n'a essayé garder avec une lunette simple, mais qui pas simple, une lunette et qui essayait m'a comprendre ce qui a passé à Haïti là parce que bagaille aurait bien aimé. Mais en pile monde les a décrit le cas haïtien. Yo di, sa pa ka l'autre gens. L'homme de yo pour qui ça? Yo di, Haïti te fait pacte avec le diable. C'est un discours qui est très puissant. Nous jeune discours ça la caille plusieurs gros leaders dans le milieu évangélique là. Gen des leaders international tout, par contre si nous songer le fameux leader pasteur américain Pat Robertson, monsieur a expliqué que la révolution haïtienne
s'est concrétisé grâce au soutien des forces diaboliques. Donc, quelle raison qui fait nous dans la situation que nous y a, hein? C'est parce que révolution nous menait comme haïtiens, qui était fait que nous camper en face du colon français, nous fait li en mobilisant des forces mystiques. Et à cause de ça, nous plonger justement dans une catastrophe sans fin. Nous sommes dans un pays en déliquescence qui est dirigé par un État failli et faillite l'État tel que chaque année, c'est dans le commentaire, nous-mêmes haïtiens, nous prenons un étage supplémentaire dans ce que nous relais l'enfer là. Donc, chaque moment, nous descendons plus bas dans l'enfer haïtien. Comme Zim t'a dit, dans l'enfer haïtien et l'enfer ça, il est terrible, l'enfer ça à l'œuvre. Moi, t'as remé, connais si nous t'aimons bien, parce que moi, recevoir une notification à l'effet que son la coupé chaque 3 secondes. Donc, sur Margaret, sous tes cafés, me signe pour moi, t'es sûr de ça. M'entendons très clair. Coupé? Non, okay. M'entendons très clair. Ok, donc pour mon capitaine Bim sur YouTube directement, il y a un problème qu'à poser, plutôt y aller sur GoToMeeting là pour que nous soyons capables à l'aise dans la réflexion à déployer jeudi. Alors, comme on t'a dit, nous, le grand évangéliste Pat Robertson, M. Pral dit comme ça, le pasteur Pat Robertson, révolution haïtienne là, c'est force diabolique qui mène. Donc son pays qui condamné, c'est comme ça que on va l'expliquer le tremblement de terre. Le tremblement de terre là arrivé en Haïti, bah comme si nous songeait période 2010 là, c'est à coup pandémie. Hein. Les pandémies arrivées, l'église pas un discours pour lui parce que nous pourquoi jamais moins ça comme église. Donc nous pas un récit sur ça, c'est adapté n'a pas adapté nous par rapport à réalité pandémique là. Maintenant, pendant que pandémie l'a fait ravage et chaque monde a battu pour produit discours. Maintenant, dans le cas haïtien, songez Jérémy Issouville et EMCI TV écrit un article, il t'a expliqué que c'est normal pour nous vivre catastrophe ça que nous vivons là. Côté que ils prétendent près de 300 000 monde péri. Donc, on va comprendre que société a, ou bien la communauté haïtienne rentre en crise et fuck les auteurs religieux, les acteurs religieux, ils ont produit un discours pour dire mais comment ça fait arriver là? Est-ce que c'est parce que nous mal fait bagaille? Et n'oubliez pas, 12 janvier, son bagaille terrible puisque la veille, tout le monde t'a dit bonne année, nous fêter 31 décembre, 1er janvier, nous dit la passée année à la présence. Bon Dieu, nous fait toute déclaration prophétique. Mais maintenant, ça va attendre mois de février, mois de janvier même, bagaille a passé. C'est-à-dire, l'église est branlée dans le fondement. Bagaille a tellement raide, chers amis, il y a plus l'église qui tombait que péristyle qui tombait. Nous, on que pas de prison ouverte, nous sorti, mais pendant que l'église lui-même tombait. La mounio ouè bagay sa, discours sur Haïtien son peuple maudit à cause du vaudou, li vin tourner yon discours qui, comme m'ta dit, qui fait école. M'kwe gen yon na pasteur très réputé de la Floride qui soutenu discours sa tout, pendant que li Haïti, li dit que nos ancêtres ont livré notre pays au diable. C'est ça que fait Haïti dans l'État lié. Et parallèlement à ce discours, réflexion qui déployait hier, je veux dire que si nous voulons sortir dans ça, l'obligatoire pour que nous redédions pays à bon Dieu. Pour que nous redédions pays à bon Dieu. Maintenant, nous ne pas essayer explorer, comme moi dis, ce n'est pas une étude biblique comme à l'accoutumée,
Et c'est un autre type d'étude biblique que n'a fait parce que parce que comme haïtien faut faire des réflexions tout sous pays nous c'est vrai nous avons des marches évangéliques mais nous gagnons en importance de chercher qu'on est qui ça va vivre pour qui ça c'est comme ça Haïti pour qui ça c'est bagaille ça yo n'a représenter la bagaille comme discours. Il est important pour nous aussi analyser. Et c'est dans la perspective ça que moi invité nous à nous garder l'étude biblique ça, nous pour analyser qui processus qui fait nous vivre indépendants. Et là, nous finissons garder qui processus qui nous fait nous vivre indépendants. Nous pour aller, est-ce que vous doutez là-dedans ou pas? Et nous sommes obligés honnête. Et maintenant, une fois que nous dit vous doutez là-dedans ou pas, nous avons essayé de garder. Mais est-ce que c'est ça qui fait que nous dans la situation que nous y a? Et la poser peut-être nos questions tout. Mais moun sa ou te vin envahi nous tout. Yo même yo pas de faire rien qui mal. Et pour qui ça paye pas yo bon et nous même paye pas nous pas bon. Bagay ça yo tellement important jodi a. Pour qui ça m'a demandé nous faire réflexion ça yo parce que bon décalage dans la communauté, dans des gangolades. Nous sommes communauté qui a crasé tête nous parce que nous avons un problème d'identité. Nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes. Et comme nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes, n'importe qui nous dit qui est-ce que nous sommes nous-mêmes. Et depuis qu'on dit nous ça nous sommes, nous prenons la dent comme si de rien n'était. N'importe qui est-ce qui a dit nous ça nous sommes. D'ailleurs, m'balouer avec nous. S'il comme Mdadou si nous guettons gros discours dominant que qui très prisé à Montréal discours ça lui fait comprendre que tout haïtien c'est vaudouisant et on pas le comprendre les nous pas le bail vaudouan statut et pour nous mêmes comme évangélique mais on dit tout haïtien c'est vaudouisant et puis tout haïtien quoi c'est vaudouisant vrai mais gros conséquences. Bon conséquence. Et pourtant, il y a un bagage que m'a tout fort remarqué en passant. Les Québécois sont d'origine catholique. Moi, ouais. Et le ministre, le premier ministre Legault, le campel dit comme ça. Tous les Québécois sont des catholiques. Bagage là fait un seul scandale. Parce qu'il y a un Québécois qui dit il y a renié racine, il y a saté. Maintenant, Québécois lui-même, il a quitté racine, mais semble haïtien, racine ça, il pas qu'à nier, on est vaudouisant, on meurt vaudouisant, ou pas qu'à protestant vrai, ou pas qu'à athée vrai, ou pas qu'à catholique vrai, ou pas qu'à l'autre bagaille que vaudouisant, parce que c'est haïtien. Nous pas l'analyser discours ça, yo, pour nous, mais est-ce que y'a un fondement vrai, hein? Est-ce que y'a un réel vrai? Et est-ce que nous condamnons parce que il y a un bagage qui passait en Haïti avec les Macandal, les Bookman, les Biassou, nous pas laisser comprendre qui ça qui arrivait. Bien entendu, nous pas laisser chita en perspective historique et qui garantit genre dégoûtant mais m'a demandé rete avec moi. Et là nous fin sorti dans perspective historique là. Nous pas entrer dans une perspective théologique pour nous débattre avec ça nous relier le vaudou pour nous comprendre est-ce que jodi le vaudou ka kembe un pays en otage est-ce que pas gen l'autre paramètre qui fait que pays a salié est-ce que c'est vrai monsieur yo c'est force infernale yo évoqué il a payé ça yo t'a évoqué yo est-ce que son possibilité liée est-ce que son bagage pour nous mettre de côté auquel cas, est-ce que nous n'avons aucun effort qu'à faire? Si jamais nos ancêtres nous ont livrés, est-ce que nous sommes d'accord pour nous effondrer comme bon nous semble? Donc, est-ce que nous devons rester dans la vision ça? Alors, nous avons commencé justement avec l'étude biblique là, mais espérons que nous avons tout le temps pour nous rentrer avant que nous commencions officiellement. Eh bien, à nous garder pour nous. Et en 1492, nous connaissons que Christophe Colomb a découvert Haïti
Et maintenant, l'elle va découvrir Haïti et qui a été le Kiskeya et Boyo en 1492. Il y a plusieurs mouns là, le peuple autochtone, il a été le Ator des Indiens, mais c'était des autochtones. C'est comme si il y a été, alors, beaucoup d'estimations chiffrées présentiaux à plus de 2 millions de personnes. Et après peu de temps, ils étaient réduits entre 50 à 60 000 mouns. Pour qui ça? Sa maladie touye, sa esclavage touye, gon paquet de bagailles qui arrivaient à cause de la colonisation, parce que les Européens venus, les débarquaient avec une barbarie, une sauvagerie, et faut nous dire bien l'Europe chrétienne, s'il vous plaît. L'Europe chrétienne, qui prétend la servir bon Dieu, après le débarquer, et puis là, ils ont débarqué, ils ont pas commencé besoin à servir moun, parce que ils ont besoin territoire moun, et c'est là une nouvelle histoire qui va commencer avec cet homme qu'on appelle Christophe Colomb, que moi, il est le malheur des nations. Pour qui ça? Parce que s'il n'avait pas été faire cette découverte avec son équipage, bagay sa yo pas ta privé. Mais probablement, au niveau de l'histoire, il n'est pas le premier à découvrir, comment dirais-je, d'autres mondes. Mais, comme vous pouvez le comprendre, chaque pays, chaque civilisation a raconté histoire yo en fonction de civilisation. Donc, il a choisi cet homme qu'on appelle Christophe Colomb, il a mis de l'avant, et puis c'est lui-même qui pourra le découvrir ces Indiens-là, et puis qui pourra le réduire en esclavage. Nous parlons de Las Casas qui pourra le défendre, monsieur. Là où monsieur a mouru, il y a Bartolomé de Las Casas qui pourra le rentrer dans la défense des Indiens, et puis il pourra le battre pour changer la situation. Et c'est dans le contexte ça, puisque il a découvert l'Amérique, donc l'Afrique pourra le payer les frais. Et yo pral di que en alder l'autre moun pito, puisque moun sa yo y a peu de mourir. Vous allez comprendre que les propres comment on t'a dit au peuple du territoire yo mouri, yo pa ka kembe. À combien plus forte raison sou pran moun qui sorti l'autre côté li ka pi du pou yo encore. Et c'est là nous pral wè tout ça mrile la résilience, la force, l'ardeur combative de ces hommes noirs, parce que yo pral dépayser yo, yo pral rendre yo pral mettre des sorts dans des situations beaucoup plus difficiles que l'autre communauté et, ou bien que indien yo était là ou bien autochtone yo, et malgré ça yo pral survivre et yo pral créer une nation. Alors yo pral commencer en 1500, yo pas commencé avec ça, la traite des noirs, et c'est pas milliers que monsieur a débarqué dans différents pays et particulièrement dans les colonies, parce que l'Europe qui t'a goumé entre yo pour joindre l'autre façon pour yo goumé, c'est pas entre même encore qui plus intéressé yo, même si lutte entre européens yo pas finalité net. Mais ils ne pas le goumer contre l'autre peuple et ils ne pas le font seul, ils ne pas le font front commun, quitter ma avec Pam, ma quitte avec Pau, mais esclave Pam pour moi. Donc, monsieur, ils ne pas le récupérer une série de territoires dans l'Afrique et ils ne pas le réduire l'Afrique en esclavage. Et chers amis, c'est dans des mensonges que nous pas le voir que des Noirs a pas débarqué à Saint-Domingue d'alors. Des jeunes, des hommes, des femmes, dans zone y'aurait les quoi des Bossal, c'est côté y'ont été convaincus ces hommes qu'on appelait les Bossal, bah qu'on si nous qu'on est quoi des Bossal côté qui sale passé qui jeudi hein, mais là c'est ces zones côté que les on est fait débarquer. Hein? L'on est fait rentrer à Haïti, côté yo mené yon, quoi de Bossal, et puis yo poil vend nous, c'est là yo achete yo,
c'est là des monde qui gagne métier même van et moun sa yo là yo pas van yo tout uni et même si devant yo gon ti bagaille que yo mette mais pas de soin et même si ça yo k'ap débarquer dans un pays avec tristesse yo kite madame yo kite petite yo kite famille et maintenant blanc ça yo pa le prend yo c'est important pour nous tande moi nan sa m pa le dire parce que gen des bagay n'ap vive n'ap comprendre yo tout à partir de réputation que milieu ça yo construit tande oui monsieur yo pa gen pile expérience nan fè esclave parce que nèg yo déterminé pour que yo connaît à qui est son affaire même gens ouais là yo al chercher esclave là yo pral derrière ça qui plus fort pas vrai qui pour travailler pour yo ça qui plus si qui plus qu'a fait si qui plus qu'a fait ça gain c'est dans chasse bon gain c'est dans comment m'ta dit yo c'est dans servi dans caillou bon gain c'est dans champ yo bon monsieur yo pral réfléchir c'est pas un bagage yo juste al prend moun yo comme ça yo pral réfléchir pour yo wè comment ça ka rapporter yo plus et c'est là que réflexion ne pas aboutir à une destruction de masse par exemple on parle bien des esclaves de maison gen des esclaves que yo pa prenne pour qui ça parce que esclaves ça yo c'est des esclaves qui cache tête yo n'importe qui là gen des esclaves tout yo pa remen parce que yo remen révolte et m'pa konnen si gen ami tan nou après étude dans nou ka évaluer ça grand pile moun ki pa demander mais comment nous fait gon pays divisé comme ça au cap gon profil moun dans le sud dans le nord gon profil moun et dans l'est dans l'ouest gon profil moun c'est pas tion accident et son pays qui formé à la base de yon division parce que chaque esclave yo sorti yon contrée et puis mettre yo prend yo remarqué que pour pas gagner révolte il vaut mieux que yo pas sorti même côté donc qui ça y a goumen contre yon unité et c'est là on parle que gon série de division qu'il a d'ailleurs te gen même avant que yo vini dans pays a ça nous relait des guerres tribales en pile esclaves qui t'a débarqué c'est parce que ou bien yo t'es prisonnier ou bien comment t'a dit et gen des moun tou k'ap veyo sou grand chemin k'ap bat pou pran yo pou al van yo ou bien comment t'a dit yo t'es font bagay ki mauvais ou bien yo t'es réduit déjà en esclavage dans propre côté yo ya donc bon paquet facteur qui fait yo t'es là et ou ap comprendre si yon tribu te gen problème avec l'autre tribu maintenant ou mettez yo ensemble qui ça va le faire et monsieur ça te gen génie mettez on ces deux moun ensemble et me connais nous comme Moussa les a dit depuis dans Guinée nèg et c'est des mythes dont nous devons nous débarrasser mais en réalité depuis la caille nous te kon gen des goumen mais pas oublier les Européens tout te kon gen goumen la caillou mais façon que bagay ça te construit te élaboré t'a pas le mettre en œuvre li pral tourner même yon identité parce que gen des esclaves qui te ka pètèl l'autre esclave parce que côté yo sorti ya yo te nan goumen déjà donc tribu yo gon façon yo parler gen des dialectes yo gen alors ça m'a pris les langues donc des pou vini yo te connais mais kon ya là encore yo l'autre division pral gen te là déjà gen pat là et gen kap qui fait kap débarquer mais ce qui est plus important, c'est que leurs conditions de vie, c'était terrible. Parce que ces colons chrétiens, on dit bien, ces colons qui se réclamaient du christianisme, avec un bib dans les mains, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas le fait. Ils n'ont pas vini avec un système de la colonie. Ils n'ont pas servi avec la religion.
pour yo maintenir le peuple en esclavage. C'est-à-dire, ces gens, gen nan yo ki te des juifs, gen nan yo ki te des arabes, gen nan yo tout probablement ki te getan konnen le christianisme depuis en Afrique, et gen nan yo tout ki te dans des religions ancestrales, nou jwenn se tankou melting pot, te gen tout kalite dans mitan yo. Et puis, blanc sa yo, lè yo rive yo esclav yo, ki de yon diversité religieuse, yon pa l'bati, sa mrele yon uniformité, yon pa l'arrange yon pou ke yon vini yon seul religion, la religion chrétienne. Et pou kon l'on bien exploite li, il faut absolument que le fait de li yon chrétien. Et sa fait nou pa l'gen, sa nou rele des conversions de masse. C'est pas comme si yo te gen le choix. Te gen ça relé le code noir. Code noir là, c'était instrument que Colomb a utilisé pour le réduire le noir à sa plus simple expression. Il était fait en sorte que le noir ou bien l'esclave noir était une chose. Son chose, un bien meuble attaché à la terre, pas plus que ça. Donc qu'on va vivre, qu'on va mourir, c'est pas important. Et ça qui est plus important, c'est que ou c'est esclavio et ou pas vivre longtemps tout d'ailleurs, parce que les conditions de vie qui prévalaient dans la métropole pas permettre qu'on vive longtemps. Et c'est dans la condition ça que monsieur t'a pris coup, et pendant qu'il a pris coup, il a pris quoi au nom de Jésus. C'est t'as bien oui, il a pris quoi au nom de Jésus. Et pendant qu'il prend quoi au nom de Jésus, bon bagage qui passe. Gampil là, yo, qui passe Jésus là. Puisque religion catholique là, là et il n'y a pas le baptisé monsieur en masse, puisque l'autre religion t'est interdit. Parce que si on rentre dans notre religion, il y a tout yéo. Donc, et grand pile qui pourrait essayer fri bagay là, mais la mort pourrait le dissuader ça. Nous prenons encore des hommes qui étaient là, avec quel but? Ancien esclave là, les tout dit, sou rebel ou ak mouri. Sou pas d'accord ou ap mouri. Et sou d'accord, mais qui sa ka fait, mais qui avantage ou ka joui. Comme tout monde qui dans contexte de survie, l'esclave va choisir sa survie. Et par la différence nèg et bossal et nèg créole, bagay sa yo. M'pa konn sou konn wè lè ayisyen ap joue et ayisyen pare li l ap di Congo. C'est pas des mots qui comme ça, c'est parce que ça que t'es fait sous ville là et Saint-Domingue qui bot quoi Haïti à l'époque. Ça que fait Saint-Domingue là, li gon jan li wè tèt li puisque li là nan ville là. Donc li lavon ou même ou son bossal parce que quoi des bossal yo passe avant li même ils sont créoles parce li dans espace ça li même. Donc des fois ou après des bagages que nous conserver de les haïtiens dit l'autre son congolais pour le référer la réalité le pas connait nous bagage ça encore même continuer dans l'autre chaîne d'interprétation les petits monde en fait ici versus monde qui haïtien les l'a dit ils sont h. C'est comme si on t'a dit, il n'y a pas jamais qu'à rendre compte que y a tout ça ici. Bon, division à la base même de notre identité, et c'était voulu. C'était voulu. Mais maintenant, dimension religieuse, c'est que les messieurs prennent noyau, il y a converti. Donc, il y a une loi qui n'a fait mystique toujours. Donc, il y a une loi qui prend à déplacer. Qui sans
nous dire pourquoi ça que nous pas connait pour qui gens qui j'ai fait faire. Yo pas déplacé comme ça, yo déplacé avec des objets fétiches. Qui pas déplacé avec objet fétiche, mais puisque les autochtones étaient là, et quand je parle d'autochtones, je parle de qui est en particulier, c'est ce qu'on appelait des Indiens. Puisque Indiens ça était là, Noirs ça y ont réussi, prend bagarre des Indiens et réinventer rituel. Bon exercice, on a dit de créativité. Parce que les monsieur yo ouais que yo sorti pour tout yo monsieur va jouer donc ta qui est comment elle est monsieur encore Moreau de Saint-Méry Moreau de Saint-Méry pour dire les Africains toujours livrés à la plus absurde superstition il n'y a rien qui ne les effraie plus ou moins. Il faut consister toutes leurs croyances dans les démonstrations extérieures. Les nègres croient à la magie et l'empire de leurs fétiches les suit au-delà des mers. De petites figures grossières de bois ou de pierre représentant des hommes ou des animaux sont pour eux autant d'auteurs de choses surnaturelles et qu'ils appellent garde-corps. Ça veut dire, déplacez-nous à la caille. Il y a bagailles, il était quoi, il continue quoi. Mais maintenant, outil te gagne pour te faire croyance li yo exister, yo kapala. Et par exemple, un conflit entre colons qui pa ka comprendre, même à bal l'évangile, même à prêcher l'évangile, et puis nèg la toujours été sorcier. Monsieur parle même aller la caille noyo, ou ben nan ti kaloge li mete yo a pour vérifier. Est-ce que pas gagne des outils mystiques? Parce que le colon avait peur. Le blanc avait peur. Donc, on va comprendre. Ou dit mon nom, il n'y a pas rien. Ou pas l'évangile pour le connaître, il n'y a pas rien. Mais mon nom croit que il y a une valeur, il n'y a pas décidé pour le céder complètement. Mais en apparence, il cédait. Et colon, hein, l'homme n'y compte que c'est en apparence qu'il cédait. Et, monsieur, vous parlez, vérifiez qu'il y a des gens, puis vous voyez qui savent bien. Alors, bagaille, c'est des bagailles, comme on t'a dit, vous pas rapporté souvent, mais il y a un auteur qui parle rapporté dans, comme t'as dit, qui s'est passé, qui gens s'est fait. Même pendant la presse-clave, il y a déplacé. Chers amis, il y a des esclaves qui ne peuvent pas déplacer. Et c'est l'histoire qui rapporte. Il y a un officier qui est là-bas, qui a expliqué. Et il y a maintenant un esclave déplacé. Et puis, bon, c'est de femmes qui étaient là. Qui fait que pendant le sous-bateau, le bateau a campé, le bateau a bougé. Officier qui a conduit bateau, yo vin peur. Et puis, gen an mitan, nèg yo ki nan équipage là, alors, monsieur a pote comme ça, qui mourit, mais avant ou mourit, yo dit que on se des femmes qui a mangé kè yo là. Te gen si ou jen an bateau, a, m'a répété histoire de monsieur Labat. Lè yo ouvè moun nan, lè yo gade yo wè kè a manger. Là yo joine que à manger dame ça qu'a fait action yo fouettel quand il y a là le chirurgien blanc qui avait ouvert le cœur il mourit même gens avec l'autre monde ça mourir automatiquement vinn gon peur qui installé et équipage a obligé négocier avec femme ça et toute l'autre femme qui t'entoure yo yo dit n'a déposé au passé yo peuple yo pas mourir tout yo même yo déposé femme là et puis yo aller donc c'était un note qui écrit sur le tableau de bord autrement dit t'es gagné des esclaves et pas tout le monde était embarqué gagné des monde qui t'es gagné force mystique qui goumable
Et c'est dans la condition ça que on peur que Blanguin, malgré la fête, ça l'a fait, pour continuer à quitter l'esclavage et la liberté. Et c'est peut-être ça, ou pas loin. Mab Djouli et son bagage m'espérait venir sous lui. La manière dont il parle recevoir le christianisme, c'était pas dans le but de faire d'eux des êtres humains, mais c'était dans le but de les maintenir en esclavage. Le but du christianisme pour nous autres noirs, il n'est pas là pour humaniser nous, pour nos dignités, mais il était là pour lui finir avec nous. Et nous grimpons l'histoire que monsieur a rapportée pour ne pas dire que vaudou pas bien peur avec sorcellerie. Le blanc rapportait sa peur, il y a des gens qui dit, alors des intellectuels qui parlent dit que façon que yo garder vaudou c'est comment t'as dit son lecture de blanc sur le vaudou. Mais maintenant le blanc lui-même qui se disait chrétien est note la prend note de sa loi. Par exemple Gomagay qui rapportait par ce même homme là-bas et yo pas l'exécuter en nègre parce que yo ouais son sorcellier. Et puis là il prend cadenas. Alors, yon vient avec, comme on m'a dit, yon bâton, ça donne yon canne. Et puis, yon dit, monsieur, fais le parler. Parce que monsieur, comme fait bagay, ça va parler. Et, yon certain monsieur Vambel, qui tendait bagay la parler vrai. Parce que noir a dit avant le mou, il a fait le parler devant. Le monsieur tendait ça, il fin prend, il fin tendait bagay la parler. Et puis, même côté, là, après quelques jours après, ils ont exécuté. Autrement dit, il y a des forces, bien-aimés, qui déplaçaient avec ces Noirs qui sortaient d'Afrique. Ils ne sont pas venus comme ça pour vivre l'esclavage. Ils ont exécuté, ils ont boulé, ils ont torturé avant de finir. Ce n'est pas juste eux, mais sur la place publique, c'est parce que ils voulaient finir avec ces hommes. Bien entendu, en pile blanc tout, ils pourraient servir avec ça, ces noirs, avec comme capacité mystique, compte tenu de l'ancrage dans l'affaire religieuse, pour changer leur propre sort. Donc, l'histoire pour rappeler nous que homme gè des esclaves qui vini qui te kon gè des bagay qui yo te kon dans la médecine mais ça yore les médecins fait là et puis mais tout qui pas pratiquer médecine comme ça yo fait là avec deux mains donc c'est médecine fait y a fait mais gè pas yo te konn yo kon évoquer des esprits donc gè petit ton blanc qui a mouri et puis qui ça yo fait esclave la fait histoire la rap histoire rapporte nous esclave la vini. Li dit, mais qui j'en pour faire? Bon petit monde, confirme-le. M'a pas évoqué en loi. Et depuis que je l'évoque, l'a guéri. Qui était petit monde dans la main, et puis petit monde a guéri. Les blancs ont ça. Blancs ont étonnement. Blancs ont le pape dit petit li. Blancs font gens avec eux, li traité en l'autre chat. C'est pour me dire. Là, il y a besoin, il y a besoin, mais en même temps, il y a peur. Parce que, on ne peut pas faire mon mal pour ne pas penser le cas, utiliser ça qu'on est pour le faire mal. Parce que l'Africain, malgré tout ça qu'on a fait, il croit profondément dans le côté de sortir de la racine. Et pas le combat entre Africains même, et blanc, pour qui ça? Parce que l'on dit africain, c'est bon Dieu. Mais bon problème. Comment pour bon Dieu ça? Et même pendant que c'est lui qui fait mettre mon esclavage. Comment pour bon Dieu ça me fait dire lui bon pour moi? Pendant que c'est où qui fait, c'est lui-même qui dit ou fait ma prière chaque jour, mais côté le mettre. Et c'est ça que Paul René, dans toute conversion, bon aspect pour nous analyser. Si que moun n'a pas la dedans
si nan moun nan pa la dan, ou ka priye pou nou, ka baptize l, men li rete nan sa liye a. Et c'est important ça m'a dit là, parce que en pile moun pense que passe yo priye pou moun dans l'église li converti. En pile moun pense tout, ne serait-ce que pour leurs enfants ou ka force ti moun nan converti. Impossible. Impossible. Et c'est ça qui fait que des bagages, chers amis, ce n'est ni le discours, c'est grâce, mon Dieu. Et les blancs vont l'apprendre. Même là, il y a des signes extérieurs de la conversion, à l'effet que plusieurs parlent propos aux convertis, mais les signes intérieurs, ils n'ont pas de là. Monsieur, ils n'ont pas devenu ça que mon yo t'es pensé. Et m'a pris pour nous un texte de Annec Urban. Attendez. Il ne se passe guère de fête et de dimanche que plusieurs nègres d'une même terre ou de celles qui leur sont voisines ne se rassemblent pour se recréer et pour lors, ils dansent à la mode du pays. Tantôt à la cadence de leur chanson, qui forme un chant très agréable, et tantôt au son de tambourin pour lequel on a étendu une peau de loup marin. Je mets ton peau sous ce bagage-là. Leur plus grande réjouissance, attendez, oui, ça me va le dire là, se font au baptême de leurs enfants. Car pour lors, ils invitent tous les nègres de leur pays, aussi bien ceux de la case, et ils viendraient plutôt tout ce qu'ils ont, qu'ils n'usent de vie pour solaniser leur naissance. Les blancs, ouais, nègres la vie, les gens baptêment si mon nous. Depuis ses amis, famille, tout invité, gros spectacle. Blanc dit, ah bon, mais m'prayons. Mais dans les fêtes, y'a pas réussi. Et c'est ça que fait les pères de l'église même. Pour parler, imitation diabolique. Moun yon entré dans le catholicisme, là, ou bien dans le christianisme, version catholique, là. Mais ça ne fait pas à régler. Ça ne fait pas à régler. C'est pas ça moun te pense, yo doué ya, yo vle ya, c'est pas ça yo ye. Et c'est là, commencer, ou tu là, par commencer, organiser. Parce que avec le temps, la langue parle pas une force. Qui ça me le dit par là? Parce que tant si longtemps que le clap dit, blab dit, c'est diable qui dans la tête, yo. Tant si longtemps que yo a que blanc peur, yo, parce que y a des diables, yo connaît, eh bien, blanc vient vulnérable tout. Et si le blanc est vulnérable, yo même, yo commence à voir comment pour rentrer dans le combat, parce que là, yo commence à installer, yo, yo dans le même côté, eh bien, yo commence à gagner des bagailles, yo ka fait ensemble. Pour les bagailles, yo pas le faire, c'est des affaires clandestines. Là, fait tout ça le capable pour le montrer blanc que l'inavantage. Pour montrer blanc, parce que si c'est pas ça le fait, ou à comprendre bien, il mourit. Et, m'a dit, ou, bagay ça, yo gen des poids sérieux, la façon que nous y est comme haïtien. M'a dit, ou ça bien, m'a loué des bagay avec nous, m'a dit, c'est que m'a dit, pas être arrivé là-dedans, mais n'a pas l'explorer des bagay. M'a bon exemple, nous tellement, a fait semblant, des fois, ou pas comme qu'il est haïtien sérieux, je dis qu'il est pas sérieux dans sa labdia. Parce que pour te survivre, il faut te faire semblant. Gardons pas qu'on passe, par exemple, je parle de mode de survie. Les haïtiens, ouais, ou viennent chercher petit-li. Petit-li, il y a 6-7 ans, tout petit. Parce que l'enfance n'a pas existé pour le propriétaire d'esclavage. Quel que soit l'âge là, les cas réduits en esclavage. Là, il y a une jeune maman esclave là. Pour le bagage maman fait, donc une femme,
li wè sa piti te pal passe, parce li wè déjà sa nèg li yo passe. D'ailleurs, esclave yo se place yo place yo ensemble. Qui s'acrivé? Là comment on va venir chercher petite pour pas lui faire, c'est comment c'est dénigrer petite lui. Papa dénigrer petite lui dit il pas capable elle c'est si elle c'est ça. Mais petite a regardé a dénigrer lui pas connaît. Il pas gain explication pour ça. Et nous pas le que c'est une bagarre qui rete dans culture nous en pile mon parent qu'on a dénigrer petite pour t'en révéler. C'est des paradoxes parce que qui s'acrivé vive de manière à survivre. Parce que s'il dit petit, il y a capable blanc, puis pressé, prend toujours, mais il l'écrivrait. Donc, clairement, fait que faut le dénigrer, il faut le détruire devant blanc. Et petit à lui-même, qui ouais, a détruit, il est habitué à ça. Donc, nous parlons que, pour raison ça, l'enfance en Haïti demeure un bagage problématique. Souvent, ici, il a détruit petit et puis le remède. C'est dans le grand monde, mais pourquoi il soit qu'on a fait ça? Donc, il y a des bagages culturels qu'il a. Donc, on va comprendre que nous déstructurer à la base. Et religion en pas jouer un autre rôle dans déstructuration ça. Nous apprenons cacher des bagages. Haïtien tout en bas la fait. Donc parce que le nègre haïtien et ou bien dans le contexte de l'esclavage, donc on va pas parler haïtien seulement, qui ça a été qu'on fait, pas oublier, il était obligé de faire bagage en cachette. Donc mettez charbon, mettez toute bagaille là et cetera et pourtant et l'église catholique tout le temps et nous pas joindre que comportement ça yo et que en pile en bon monde c'est on parler le paradoxe mabdou les monde dans sorcellerie il pas de problème dans l'église pour même les problèmes parce qu'on connaît l'évangile mais lui même il pas de problème parce que c'est des bagailles que nous sorti là avec lui donc yo ka dans toute bagaille en même temps donc li non pas clandestin li cachel et puis il y a dans l'église tout etc. Mais depuis là gon culture qui prend place depuis nan jan que société a li commencé. Alors pas oublier comme on dit nous l'égalité a pas profiter de liberté yo ti liberté yo ti ka joine puisque yo te nombreux. L'angle commence à punir. Et à cause de l'angle, c'était des hommes qui sont capables de planifier une révolte parce que les esclaves communiquent entre eux. Autrement dit, pas de pile blanc, mais blanc, il y a des âmes dans les mains. Il y a beaucoup plus d'esclaves. Pour qui ça, esclave pas soulevé, premièrement, il y a une idéologie. Et qui est-ce qui t'a pas le bail, esclavage, cette idéologie? C'est l'Église catholique. Qui pas mal force pour que les propres, moun pas converti pour convertir, moun converti parce que ou obligé chrétien, la société va vivre là. Et sous chrétien, faut qu'on place où? Parce que tous les chrétiens sont victimes de la malédiction de Cam. Qui ça veut dire? Moi, ça avec nous déjà. Malédiction, ça veut dire que, la tête, et j'ai consacré à dire, fort esclave frère, nous-mêmes, nous devons réduire en esclavage, ça, il a fait pour être bon pour vous, parce que c'est la Bible qui dit. Et les pères de l'Église, malheureusement, t'as pas le chita, alors pour la plupart, et pas tout le monde. Bien qui parle pour moi le même genre, yo t'a pas chita, yo t'a pas d'accord avec façon de faire ça parce que gain l'argent qu'a brassé. Gain l'argent qu'a brassé. Eh bien c'était brutal et mais con résistance. C'était sauvage mais con résistance. Et qu'est-ce qui va le passer pendant résistance ça yo? Pas oublier, moi, dis-nous, qui est-ce qui t'est qu'on a? Mon cap fait des ordres, les prisonniers de guerre, les esclaves, et puis mon yo volait, et carrément, et comme on t'a dit, côté oui. Maintenant, l'esclave établi, bon bagay m'a dit yo là, pour souligner. En plus, moun pensait que, c'est blanc seulement que tu es connaisseur.
grand pile esclave qui sorti en Afrique, mais qui c'est des monde qui te connaît tout. Son bagage moi remarqué personnellement les moments par la province. On rencontre des monde qui parlent l'école mais qui brillant. S'il parle l'école, il y a des capacités le pas gain, mais il y a des capacités le développer tout. Autrement dit, c'est pas seul l'école qui fait monde qu'on connaît. Et gagne qui t'est sorti la caillou, c'est des surdoués. Oui. Mais dans le système éducatif colonial là, il y a pas de place yo. Et blanc pensait que s'il pas qu'on a rien. Donc son monde sorti c'est un abouti d'ailleurs, il va me penser le cas après. Les Africains son gens d'Angleterre pour exposer et connaissance et capacité le passé gros mec qui t'a pas apprendre ni monsieur yo saisi. Comment pour esclave la cas apprendre? Comment pour noir cas apprendre? C'est scandaleux. Même ça, il y a pas de penser que yo noir cas fait. C'est pas jouette non, on pas compte si nous un film ça il est Amistad. Le noir n'est pas pris au sérieux, le noir ne sait rien, noir pas qu'on a rien. C'est un sauvage. Et gon religion qui a soutenu ça, parce que pour l'esclave, frère, son sauvage boulier. Pour l'esclave, il n'est pas capable de sauvage. Comment vous le faites l'autre bagarre là? Alors, maintenant, pas oublier, même il y a des gens qui connaissent, mais que blanc sous-estimé. Mais ça connaît, il n'y a pas de population. Gagne savoir, yo gagne, c'est des savoirs scientifiques. Gagne savoir, yo gagne, c'est des savoirs religieux. Les messieurs, ça absorbe, c'est en Afrique, pas paquet. Blanc, pas contre qui est-ce qui connaît, qui est-ce qui connaît, c'est même l'app, mettez moun, parce que l'app fait comme. Et puis, c'est comme ça. Ça qui gagne des savoirs, la caillou, yo parle organiser le reste. Nous parle gagne, ça y aurait les. De marronnage, puisque langue yo commence à coller. Et blanc tout, il parle, regardez, plutôt me prendre mon tel côté, parce que tel mon tel autre côté, pas fait tel bagay. Et chaque fois, on parle que pays a tout, on parle chaque côté, on passe dans le pays, on profil moun, etc. On parle nous de ça déjà. Mais maintenant, les messieurs yo appelé réunis ça, mais là, pas qu'on est. Y a pas le discuter. Y a pas seulement discuter. Il n'y a pas le fait ça, il est organisé le marronnage. Il y a le caché de côté parce que il n'y a pas voulu pour les esclaves. Et c'est dans le contexte ça que il n'y a pas lagué chien de un paquet noir. Ou pas le surtout en Haïti, je ne sais pas pour l'autre pays parce que je ne suis pas historien pour évaluer l'impact ça. Ou pas le haïtien même pour les machins. Bagay sont pas pour elle, mais si moun qui levé ici, qui a capté tes chiens, t'as qu'on être humain, moi yon moun, un grand moun, même chien mouri, qui presque mouri tout, parce que c'est son meilleur ami. Les difficile pour jeune ça, dans mes haïtien, parce que les nègres ont fait marronnage, qui est sur la guinée, dans quoi aussi des chiens, et chiens, ça le fait dévorer. Et ça fait un gros jouement haïtien qu'on baille avec moun, c'est dit c'est chien. Parce que chien, c'est ton bête qui fait mal. Il y a Jean-Paul Sartre, le fameux philosophe, l'existentialiste athée. Monsieur parle paraître en Haïti, et puis tellement t'as des bruits, monsieur dit, mais ça vient d'un pays, ça n'est pas possible pour chaper les comme ça. Maintenant, rapport haïtien avec chien, son bail est terrible. Plutôt, c'est maman qui jouait le bas du chien parce que l'haïtien déteste cet animal. Mais c'est bon, bagage, il connaît pour qui ça, mais comme on dit où. L'aile à le cacher, bête, je vois, devrait la sécher. Et ça fait, dans la société haïtienne, on parle, ouais, bête, ça, ouais, les chiens, dans la rue, et son bête, et là, pas vraiment des médecins vrais pour lui, donc son bête, il maltraité même. Donc, ouais, bête, la grosselle, etc., etc. Bon, mais il y a des mouns qui, c'est des exceptions, etc., mais la règle normale, bête, là, son bête, captain zo, alors que, bon, ici, chien, manger d'un coup, tout le monde, ou à comprendre, un ambassadeur canadien qui vient en Haïti qui dit que nous-mêmes Canadiens, j'haïtiens, traités haïtiens pareil, nous pas traités chez la caille comme ça te fait scandale, mais c'est parce que nous avons rapport avec ces animaux lorsque nous avons fait marronnage. Maintenant, le marronnage, comment c'est fait? Et parce que mettre sur tellement dû, mettre sur katouye,
met yo gen des bay yo fè yo coupé men yo gen bay yo fè yo coupé bra yo gen bay yo fè yo coupé jam yo gen bay yo fè yo mette yo nan tè et puis yo mette miel nan et comme ta dou nan troua yo couvri monsieur qui t'était tête dehors seulement et puis monsieur pa le mouri peu à peu qui sa pa le touye yo c'est des fourmis pa le touye yo pour dévorer yo c'est comme ça bagalaté monsieur yo blan yo té yo couyoté parfait. Et c'est comme ça, par des révoltes d'esclaves. Le Nord, le Sac, première révolte là, en 1758, que Makanda n'a pas conduit, pour frapper sérieusement l'espace. Et qui est-ce qui Makanda? Pour plusieurs sont africains qui était élevé dans la religion musulmane. Et c'est très important pour nous dire ça. Tout ça qui est venu en Afrique, et sorti en Afrique, il y a tout pas vaudouisant. En pelle, ça y était des musulmans aussi. Donc, monsieur, comme musulman, il n'a pas pris lui et puis il a réduit à l'esclavage, il a vécu avec lui. Mais, monsieur, tu es comme ça, il est poison. Qui gens pour le bain blanc, poison pour tout. Et monsieur, tu es un leader naturel, il parlait avec l'autre esclave, il écoutait. Et plein, monsieur, c'était exterminé depuis ces blancs, depuis ces colons. Et monsieur commençait à mettre poison dans la colonie hein, et blanc à mourir. Et là aussi Kébé Makandal cap fait des gars. Yo boulel. Mais maintenant, gros légende qui poil paraître à partir de Makandal parce que en pile monde dit que pendant boulé Makandal monsieur sauvé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Personne ne va connaître, mais pour monsieur, dans l'imaginaire, c'est un héros. La grande communauté qui est un héros, il a fait pile bagarre avec lui. Donc, monsieur vient plus quoi dans la croyance que vous gagnez. Et Makandal vient, on légende, esclave a raconté l'autre esclave qui s'est passé. Et là, après, raconter l'autre esclave a pris force. Et pendant qu'il a pris force, pas oublier, on parle encore l'anglais qui t'empêchait, monsieur, de communiquer. L'anglais, poil tourné, un facteur d'unité. Et monsieur a communiqué. Monsieur a communiqué dans l'anglais, mais monsieur, tout là, il a joué ensemble tout. Ou ni jean blanc yo tout les dobali tambou yo nan men yo et révolte sa Makandal fè a li commencé ouvrije yo blanc te kon ba privilège danser blanc pa kite danser encore blanc ap ve yo parce que yo suspect que monsieur yo animé de l'autre intention. Et nèg yo a propagé des idées, il a fait un série de bagaille. Et maintenant, les monsieur peut de réunir, monsieur peut de parler de l'union que yo doit faire contre les blancs. Et ou parle gon l'autre nom qui va paraître encore, Bookman qui fait Jamaïque. Lui-même, c'est un prêtre vaudoulier pour plusieurs religions des Dahoméens. Et là, monsieur Vini, monsieur va prendre sa pire au sérieux toujours. Il parle réunion pas qu'être esclave. Et c'est là ça, nous parle tomber dans sa cérémonie du Bois Caïman, le 14 août 1740. N'importe qui est-ce que vous voyez dans la colonie? Donc, monsieur reconnaît que vos forces, qui sorti dans le vaudou, qui pourrait permettre que il goumé avec blanc. Et
pour me dire bien, l'on va prendre des salines encore, nous voyons que nous avons des lois des salines, etc. Et des salines pour supprimer les couleurs blanches dans le drapeau haïtien pour former un drapeau rouge et bleu, hein, pour rompre carrément avec la tradition. C'est ça que Menison Rigaud va rapporter. Maintenant, qui quand nous voulons venir avec déclaration ça yo? Si la plupart des historiens reconnaissent que, même si nous voulons, même si nous ne voulons pas, vous devez jouer un rôle dans la façon dont vous parlez de l'indépendance. Est-ce que parce que je joue un rôle ça, nous condamnons? Pour mes questions à poser peut-être nous. Mais blanc lui-même qui servit avec christianisme pour réduire un peuple à l'esclavage, lui-même n'est pas condamné, lui-même n'est pas de problème. Un peuple même qui a défendu, qui défendu avec ça, le connaît. Un peuple qui pas cherché mettre blanc en esclavage, non? C'est blanc qui vient chercher la carrière, qui vient sauter pour finir avec elle. C'est lui qui coupable. C'est lui qui condamné, c'est lui qui a malédiction. Je vais regarder un blanc qui a parlé du développement. Attendez. Il dit qui ça qu'on peut développer? Il dit un pays développé, son pays qui exploite l'autre pays. Ou bien un pays qui fait affaire avec des pays qui t'a exploité l'autre pays. C'est ça la civilisation occidentale. Pas de menti dans ça. Là, on dit États-Unis bon, Canada bon, mais ces pays, Canada dit qu'il n'y a pas de fait esclavage noir, mais les bagages marchent États-Unis, ils marchent pour Canada tout. Hein? Donc, ça, États-Unis a fait profiter à Canada tout. Ils profitent à l'autre pays tout. Alors, nous pouvons comprendre dans ces conditions. Là, on a parlé de l'haïtien est maudit parce que monsieur yo te goumé avec diable. Maintenant, deuxième question à poser tête. Puisque notre histoire nous est racontée par le blanc, mais est-ce que blanc lui-même qui dit le chrétien hein, n'est pas conservé l'autre bagaille tout lui-même? D'où vient la franc-maçonnerie? Nous joignons les vestiges de la franc-maçonnerie en Haïti, importés par le blanc. Donc, blanc tout, il y a des forces observées qui n'ont pas rien à voir avec le christianisme. Et c'est ça qui fait mon texte et la soutane contre le tablier, qui parle montrer guerre qui était gagnée entre la franc-maçonnerie et la religion catholique en Haïti. Donc, blanc lui-même, lui était dans la franc-maçonnerie pendant qu'il était là. Maintenant, lui-même tout, lui qui a gagné des forces mystiques l'a évoqué, mais pays parle curieusement pas qu'à maudit. Mais haïtien, puisque il y a des mouns qui évoquent des bagailles, ils ont goumé, et puis c'est des vaudouisants qui ont goumé, c'est ce qui s'est voté avant, puisque Christianisme a baillé au cou. Hein? Puisque Christianisme a baillé au cou, à quoi ça te détend? Ils ont même maudit, mais le blanc lui-même, même s'il a servi, il n'a pas parlé de ça. C'est comme si yon était toujours chrétien. Et c'est comme si là yon chrétien, yon pas de l'autre force à évoquer. Et c'est là, chers amis, nous devons poser nos questions sur propre histoire, nous. Sur façon que nous avons rentré comme chrétien dans l'histoire, nous. La communauté nous a divisé dans le sens où beaucoup de croyants, surtout parmi les pentecôtistes, yon croient que pour Haïti changer, son réveil spirituel qui pour fait. Et réveil spirituel ça, papa le dit que des chrétiens apprennent contre l'Haïti. Mais maintenant, on parle au Canada, c'est chrétien qui a dirigé Haïti, qui a dirigé. Non. On parle aux États-Unis,
c'est chrétien qui a dirigé. Non. D'ailleurs, même si mon nadjou li chrétien, gardez bien pour eux qui ça y a fait. Gende loi qui là qui menaçait le christianisme aux États-Unis, au Canada c'est pas parlé. Pourquoi leur pays marche bien? M'a regardé l'argent même américain sous ta gain 1 dollar. Au parloir y a un signe franc-maçonnique sous lui, l'œil qui voit tout. Pays a même lui fondé son bagage mystique. Et pourtant, ce pays n'est pas dédié au diable. Pourquoi c'est Haïti lui-même? Nous honnêtement, nous n'avons pas coup bagaille vaudouin là-dedans. Pour qui ça, c'est lui-même qui dédié au diable et que nous tout bloqué là, rien n'est pas qu'à marcher. Pour qui ça, il faut ça m'expliquer l'histoire, non? Ça, c'est deux. Troisièmement, on a un bagaille encore qui vivait sur Haïti. Là, après fléchi sur Haïti, c'est un coup. Haïti était toujours dans l'état lié. Bien aimé, nous sommes les petits mouns, maman m'parle la ville. Yon nan bagay qui pose, c'est que depuis 3h du matin, elle sorti. M'son j'ai les petits mouns, ma cabonnette, depuis ta cabonnette, la pas belle, m'pap monte. M'son j'ai, il fut un temps, sur le plan de la diplomatie, bien aimé. Les pays africains, sous pas de compte ça, les ont besoin yon diplomate, soit ici à chercher parce que toutes les années 60-70, les wap monte yon ascenseur et diplomate ouye, ou qu'on rencontre yon diplomate blanc qui est noir et puis li bon calotte. Mais depuis le temps de soit haïtien, il fait attention parce que haïtien, et pas remettre la pour mettre seulement, li ka kansé tête là. Parce que l'haïtien avait une dignité, une valeur. Attendez, oui. Autrement dit, quand on n'y a pas toujours comme ça, faculté haïtienne, il y a des gens qu'on a déplacé pour venir là-dedans, qui sont dans l'autre côté. Le pire, et c'est là le plus important, le parlement haïtien, nous, qui s'allie, mais ça va toujours comme ça. Je dis à un paquet de vagabonds qui n'a peur qu'il a. Mais, comment ça y est? Comment ça te y est? Là, on sait de nègres, on sait de gros nègres et Louis-Joseph Janvier, des maisons de l'homme, les nègres, ça y est là. Comment discussion te qu'on fait? Mon âme sorti Paris, des parlementaires, des députés ont sorti Paris pour yon vin suivre un débat à la chambre haïtienne parce que débat ça aussi des débats de haut niveau, bagay respectable. Parce que nèg sa ou tap discuté de pays yo. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est vodou qui fait nous arriver là? Ou bien qui côté pour nous garder, pour nous comprendre ça qui arrive nous? Hein? Est-ce que nous devons dire comme haïtien, bon, nous tout bloquer, parce que j'ai indépendance tout fait là, yon dit nous c'est vodou baili. Mais là encore, bon problème. Est-ce que parce que je suis chrétien, je suis pour un bagaille, je dis que c'est christianisme qui baille? Les Noirs ont vu leur cause avancer. Est-ce que vous dites que c'est chrétien qui fait cause noire avancer? Pour qui ça, tout ça nous fait, c'est religieux pour expliquer. Il y a un problème. Et nous arrivons dans une phase côté que le pays n'a pas marché. Au seul haïtien qu'on fait, c'est dit à nous prier pour lui. M'a regardé en zone nos passés et on paquet de problèmes dans zone là. Et puis qui réflexe qui gagne bon l'église là. On paquet de bagages sales, la boue, etc. Mais puis on parle l'église tout le temps. Mais puis le monde malade tout l'église là, mais a prier pour la guérison. Mais comment faire même ça on parler vont bolé, on dit la nettoyer zone là. Parce que nous revenons au temps côté que nous pas penser côté nous, nous pas penser à venir nous. Et puisque nous pas penser à venir nous, bagage qui plus facile là, c'est dit c'est ça qui fait nous tomber. Mais l'autre pays tout
qui vivent des bagages comme ça, nous croyons que notre pays est diable, servi tout. Nous vivons d'agir tant que c'est seul Haïti qui est force mystique. On l'a dit, le monde est sous la domination du malin. Mais si le monde est sous la domination du malin, c'est pas Haïti seulement. Et si c'est pas Haïti seulement qui comme Dadou, qui est malin, pour qui ça c'est nous qui avons plus gros tort, qui avons plus gros bagaille, et puis, moun tap fait nous mal, pays a avancé, pays a marché. Nous besoin recomprendre façon que nous y est. Nous besoin prendre contrôle identité, nous discours nous sous nous-mêmes et rebâtir pays nous en fonction de notre vision. Parce que ça n'a pas dit, pas correspondre, on est capable de dire, avec ça nous y est vrai. M'a dit ou encore, l'haïtien est en train de s'auto-flageller. Ou pas besoin de mon bon bâton, c'est au cap de tête au bâton. L'on besoin de mon détruire, de tout être un peuple cap de tête, ou mettre ensemble et puis à paille de tête, c'est toujours mal, c'est toujours mal. Mais non, là nous arrivons dans la phase ça, nous bloquer. Et c'est ça qui arrive. Lorsque tout se ramène au vaudou, et ça me dit problème avec les évangéliques comme moi, puisque c'est vaudou qui dit qu'il bloque le pays, hein, pour pays à débloquer, c'est religion seulement. Et c'est ça que fait le protestantisme haïtien, les poils à l'angélie, comme Dadou, il y a des gens qui ont fait servir, et il y a des gens dans le cimetière, il y a des gens, etc. Et pourtant, s'il y a des forces vaudou, s'il y a des forces mystiques, si nous devons combattre, ce n'est pas comme ça pour nous combattre. Maintenant, nous retournons sur la question. Est-ce que des ancêtres sont capables de lier une génération future pour toujours? Encore, je compte sur ça, Ligue pour le Vini, m'anticipez. Mettons que les ancêtres peuvent lier des générations pour toujours. Mais, ma prédit nous encore, Haïti pas toujours s'allié à. Les années 60, bien-aimés, la Chine pas mieux qu'Haïti. C'est normal que rêvait de devenir comme Port-au-Prince. Eh bien, les ancêtres sont liés à Haïti. Les ancêtres sont liés à Haïti. Faut nous faire attention. Nous avons fait des choix, ça c'est une. Deuxièmement, la communauté internationale nous a combattus. Maintenant, est-ce que la religion est capable de force pour nous sortir dans sa nouillère? Oui, elle est capable de force. Tant aussi longtemps que la religion n'est pas là pour dire que Jésus a venu seulement, il faut qu'elle doit travailler. Faut dire que ou son monde faut bon valeur faut religion les suspendre avec contradiction yo les nous mettre ensemble pour qui ça n'a pas goûté nous capable entendre nous capable et de même point de vue sur ces deux bagailles mais n'a pas fond seul et c'est ça qui manque nous parce que depuis l'absence en Afrique n'a jamais planté nous à nous déstructurer ou pas ouais de ça nous pas tromper après ce que je viens de voir dans le sud si les hommes ne se servent pas contre moi c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Ou getan ouè non subdivisé. Et chaque bon type de chef, chaque bon profil moun, ou parle de ça ici, nous avons parlé de ça dimanche dernier, moun nabzou, depuis moun tel zone, parlé avec par ça, c'est un peuple divisé. Et division, elle tourne en normalité, c'est comme si nous avons dit, c'est seul moun dans tel zone qui a tel tempérament, dans tel autre zone, ou pas tel autre tempérament. Nous pensons pays nous à travers yon division. Donc, l'unité haïtienne n'a pas pu se faire parce que blanc, il m'a cherché, il cherche différents côtés pour faire différents projets. Et aujourd'hui, nous échouons à fonder une nation. Donc, Haïti a descendu dans une série de cascades. Mais il faut nous prudents, bien-aimés, pour ne pas dire que c'est le diable qui mettait nous là. Oui, il y a des forces diaboliques et Mamdouli, il n'y a pas seulement en Haïti. Si la Bible dit le monde est sous la domination, puis il y a une pensée haïtique sous la domination. Donc, excuse, ça va valable. Même sous la domination du malin,
mais regardez ça qui passe l'autre côté. Et puis, voilà mon cap fait méchanceté dans le monde là. Cap paraît dans le pays moun, crase mon pays moun. Yo même yo pa gen pays a marché. Faut comprendre yon bagay. Changement yon société pas jamais mon seul facteur. C'est plusieurs éléments pour nous mettre ensemble, pour nous capables de changer, pour nous capables d'aller de l'avant. Si c'est le religieux seulement nous mettre en avant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Autrement dit, nous devons prier comme peuple. Mais si nous prier qui te bon Dieu faire ça, ça ne marche pas. Regardez, je dis à yon rentrant dans l'église. Mais l'église, qui dit ce que l'église gagne? On continue à prier. Tant et aussi longtemps, l'église n'a pas qu'à ajuster le discours. Pour dire, même à vivre dans le milieu de ce type de tout le monde, qui ça pour nous faire? Il faut l'église à penser tête lui. Et si l'église n'a pas pensé tête lui, l'église a crasé lui-même. Et société à tout, puisqu'en plus le monde chrétien a crasé tout. Parce que l'église a son micro-société liée. Autrement dit, bien aimé, moi-même, moi pas quoi. Moi, je dis, nous, encore. Nous, pas, moi pas quoi. Que c'est diable nous livre à diable qui fait nous saluer. M'a prédit nous encore. Moi pas quoi que c'est ancêtre qui livre nous à diable qui fait nous saluer. Moi quoi que c'est parce que nous divisons, nous parlons de tête nous ensemble et puis nous gagnons des ennemis extérieurs. C'est ça qui mène nous là. Malheureusement, le arrivé de notre bagage, on te souhaité dit toujours. Mais nous pas le passé pour nous garder les questions à la gloire de Dieu que bon Dieu capable bénir. Amen. Bon Dieu bénir pasteur Sister Claudine. Oui. Bon. À côté. Concernant division. Et puis, on parlait aussi, tout là, on fait un pile sur comment il fait chez nous, côté Alphonon, et on dit depuis la Guinée, l'homme raillé, l'aigle. Mais si tout bagage ça, on a même un président américain qui dit pour ne pas jamais quitter le peuple, ça, mais qu'il fait ensemble. Mais pour qui ça, nous, même en tant que peuple, nous ne pas mettre nous ensemble pour nous aller au-delà de tous les ondes du yo. Pour nous aller de l'avant. D'autres choses, parce que moi, je regarde sur YouTube, on me fait parler tout le temps de Dessalines. C'est vrai, Dessalines, c'était un vaudouisant, c'était vraiment vrai, c'était fait un peu de bagaille, c'était tiré les manchettes, c'était fait un peu de bagaille. Mais les Dessalines vini, mais c'est bon, l'autre monde avant Dessalines qui a commencé à faire travail là. Oui, ça ne va pas jamais parler de M. ça. Et M. ça a parlé de Dessalines. Il parlait de Toussaint Louverture, il dit Toussaint Louverture est en vendu le terrier parce que c'est pour français le travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi-même, j'ai lu des choses sur YouTube, il a dit que Toussaint Louverture était fait 11 ans avant que Dessalines vienne, 6 mois après Dessalines, continuer le travail de Toussaint. Pour qui ça, c'est tout le temps que Dessalines, il fallait pas me parler de Toussaint. Pour moi, vini la première question, m'a souhaité nous poser une question à la fois pour me battre. Alors, première question, hein, les concerner justement pour qui ça nous toujours divisé. Et un président américain qui dit comme ça que faut nous gommer pour M. Sao des sirons de vote. M'a dit, premièrement, il y a un complot international. Longtemps, je ne peux pas parler, mais il y a un article qui sort dans le New York Times, son best-seller, qui donne le ton, parce que c'est Blanc qui a écrit et qui a dirigé l'article ça. Bon, il prend à contribution ce que des auteurs haïtiens disent. Mais New York Times, c'est un gros journal dans le monde. Là. Et là, il parlait l'année dernière avec comment les États-Unis ont pris Haïti. Ça a montré que on n'a jamais été aimé, mais pas oublié. Bagayore l'indépendance d'Haïti, hein? C'est pas tout petit élément lié dans l'histoire. Son bagay qui dépasse les bonnes. Parce que toute la philosophie de l'époque croit que l'esclave se contentait de sa condition d'esclave. Monsieur, pas de penser esclave à tes cabes, je viens de mettre. Imagine un groupe monde qui vient.
pays côté que tu as des autochtones, autochtones n'ont pas qu'à vivre à ça faire. Yo prend moun sa ou sorti dans l'autre pays, yo vit ça au plus mal que autochtones là. On y a au mouri, yo retire tout moun qui était là qui a bagou dans le pays, yo prend pays, yo dit merci. Ça blanc pas tolérer. C'est un attentat que nous payons dans l'histoire, nous avons suivi un reportage Radio Canada à sa blanc fait. Maintenant, il y a un problème nous qui fait nous diviser. Il y a un auteur qui est Jared Diamond qui parle dit un bagage pour nous pas oublier. Monsieur parle dit que en pile pays écrasé et monsieur prend deux éléments à part et catastrophe. Il dit même j'ai un pays fait des pays qui a écrasé tout. Et qui ça monsieur prend lui évoquer comme principe? Monsieur dit comme ça, il y a une bagarre qui a fait un pays écrasé. C'est les voisins hostiles. Haïti a toujours eu des voisins hostiles. La France qui fait le pays, on prie. Terrible. Nous sommes un président qui était soulevé question après de 21 milliards de dollars. Et c'est des gros l'argent. Ça, c'est une. Nous parlons de hostilité des voisins. Deuxièmement, réponse soit bail à problème ou yo. Nous avons un gros problème pour nous porter réponse à problème ou yo parce que religion handicapée nous. Pas oublier, le christianisme que nous avons eu, c'est un christianisme de mission. Ça me parle dire là, marquez le bien. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis furent lâchés bon blanc. Et comment on relie ça? Où ça? Et après la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est Kawasaki? J'ai oublié le nom là. Ça fait Hiroshima. 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 Les bombes là finissent tomber. Japonais étaient déjà à Baïvan. Le monde entier, ouais, Japonais, les problèmes de munitions ont fini. Japonais, tout signe réuni. Monsieur là, les bombes là, quand même. Le monde entier a eu peur de cette puissance. Le monde entier. Et tout le monde a pris distance parce que c'est du jamais vu dans l'histoire. Civil mourit, monde normal mourit, zone inhabitable. Et les impacts, c'est des impacts qui durent des siècles. Qui a duré des siècles. Parce que une zone comme ça, on bombe atomique tombé, c'est pas petit bagaille. Maintenant, faut que si on te soigne l'image, là, yo fini. Faut que te soigne l'image. Et pour yo soigner l'image, comment yo t'a pas le fait pour yo soigner l'image? Yo t'a pas le voyer des missionnaires dans le monde. Mais le missionnaire n'est pas là pour l'évangile. Le missionnaire est là pour soigner l'image de son pays. Nous venons d'un missionnaire qui va même vouloir construire l'hôpital la caillou. N'a pas l'hôpital l'ancien là. Deuxième volet question pour qui fait nous pas entendre nous parce que il y a des forces qui là pour nous pas entendre nous tout. L'église catholique 1060 le concordat de Damien signé avec Geffrard. Yon nan bagay ki nan concordat c'est kembe moun de la superstition. M'a dit non bagay. Le christianisme a fait beaucoup de tort à Haïti. Et c'est ça qui fait, bien-aimé. Faut nous prier pour nous réellement convertis. Parce que il y a des bagailles, quoi, c'est pas mon Dieu. L'haïtien, il y a des bagailles, il y a des gens qui sont mais pas mon Dieu. C'est des mentalités superstitieuses. Et puis, il y a une église avec lui. Et tout ça, il n'y a pas l'empêcher de nous construire un bagaille. Maintenant, je parle de l'étranger. Nous-mêmes, culturellement, le déficit haïtien, il a brillé individuellement, mais il n'a pas qu'à briller collectivement. Parce que il est difficile pour nous former une communauté forte. Ou pas, nous en pile à Montréal. Ils ont voulu nous aller en pile par paquet. Mais pour que ça, c'est nous qui nous voulons aller comme ça. Pas de notre communauté bon ici. Mais qui est-ce qui a campé pour nous? Parce que nous pas une communauté forte, nous mettons en pile. Ils ont joué nous. Ils ont fait raciste avec nous. Mais nous avons des difficultés pour nous camper. Pour qui ça? Parce que l'évangile nous recevoir, il fait de nous des gens passifs. Mais nous actifs, si c'est pour détruire le monde dans le temps, par exemple.
On sait ça pour ne pas ta faire. Parce que chaque monde dans mitan nous qui détruit, institution nous vient plus faible. Hein? Donc, tout ça yon explique raison qui fait que nous là. Maintenant, Abdesaline à Christophe. Et pas Christophe, Abdesaline avec Toussaint. Toussaint, c'est un premier monde qui parle inventer yon style et militaire que yon relè exploiter milieu cotoyer hein? Pour battre adversaire là. Imaginez les tous ces paroles ont essayé de guerre, ils parlent de du revirement de tout ça dans l'histoire. Il y en a pas qui fait monsieur des cadres ces de guerre. C'est là monsieur permettre lui. Les prend on sait de monde qui pas gain zame, qui pas gain si qui pas gain ça avec lui tout. Nèg ça yo rete dans nature là. Yo font seul avec nature là, ça veut dire là on a bois, yo caché dans bois. Là on fin caché dans bois, yo fait tout ça et comme dadjo, yo ka fait des jours là, il y a tant ennemis jusqu'à ce que on prenne le piège. Yo exploite espace ça parce que avec tous ces forts qu'on côtoyer pour gommer avec ennemis. C'était pas le nombre seulement qui te permet tout gagner. Donc tout ça t'a pas posé balle ça. Mais tout ça son précurseur, vision tout ça pas gain vision. En Haïti indépendant, même Jean Dessalines parle de manière radicale. Toussaint lui-même, tu as besoin d'Haïti autonome et qui a respect, qui a dignité. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas apprendre Toussaint. Maintenant, si Toussaint était plus modéré que Dessalines, c'est ça qu'il fait. Dessalines qui était ça Toussaint passé, Dessalines parle de Jean Blanc. Dessalines parle beaucoup plus loin. Dessalines parle de ce qui est radicalité. Et de Saline pas dit yon bagay, ils ne seront jamais nos frères. Son gros bagay, oui. Yon moun kap fondonation kap di ou, ils ne seront jamais nos frères, tant par la distance qui nous sépare que par la couleur de notre peau. C'est ça de Saline pas dit. Eh bien, ça de Saline pas dit, hein, l'histoire pas le montrer lui. Nous avons toujours été traités méchamment. Lorsque tu vois un ancien président arriver en Haïti, j'en dis, bon, mon responsable État, on sait de barrer ça. Mais n'est pas même président haïtien. On se rend compte que nous avons des problèmes parce qu'ils ne nous ont pas traités en frère. Donc, il y a une bataille pour nous affaire. Ce n'est pas détruire des salines ou bien tout ça, l'ouverture ou bien essayer de montrer divergence. Monsieur Sayo travaille une, c'est continuité en l'autre. Il y a une qui est précurseur, il y a une qui est fondateur. Donc, tous ces font un travail énorme. Tous ces patakas, plus que comme Dadou, yon français à l'œuvre, parce que c'est comme Dadou, l'indépendance n'était pas encore proclamée. Qui ça le décaillé? Vous comprenez? Donc, peut-être que tous ces, au fur et à mesure, t'as privé dans phase, côté que, il t'a pas proclamé l'indépendance. Hein, parce que peut-être il avait fait trop de confiance au blanc. Il pensait blanc, on le, blanc t'es qu'à changer d'attitude. Mais le blanc ne l'a pas fait. Parce que, chers amis, bagay prend moun, fait moun, fait tout ça le vle pour oua, li rapporte yo gros. Et avant si yo gen la civilisation yo, c'est parce que yo mette des moun à travail pour yo. Et ça, ils y ont tenu beaucoup. Et c'est ça que mette yo là. Yon l'autre question? Question yo pose en ligne. Oui, allô? Oui, allô? C'est pas une question, c'est juste une suggestion. Maintenant, de plus que rendu, où est-ce qu'on est rendu là, et puis jusqu'au pays qui vivait la première là, est-ce que nous n'avons pas une façon que l'Église a campé, mais par exemple,